Many timber exploiting companies exploiting the natural resources in Cameroon do so at the detriment of a local population who benefits little or nothing from it. The forest that normally is to be a source of income is now a nightmare to the population, especially those of Akak village in the south region. Mais le bois Kamka, quand il est arrivé, il, non seulement il est entré frauduleusement, mais aussi il a exploité ses 2011 hectares au même moment, c'est-à-dire en une année. C'était un désordre absolu auquel il exploitait le bois et il payait les royalties en compte-gouttes, c'est-à-dire à monnaie de singe. Et ce qui n'a pas plu la population, je veux dire par là que la population du canton Akak a commencé à constater le vol de bois, les camions groumiers sans lettre de voiture. Camvet, with its partner organization Boakam, for years now, have entered into over 2,011 hectares of forest of Akak village and illegally exploiting it without taking into consideration the interest of the population. Le processus même d'attribution en concession agro-industriel n'est pas abouti, mais sur le terrain, on voit déjà d'énormes activités qui sont menées par l'entreprise. On se pose la question de savoir sur quoi se fondait réellement l'entreprise Camber pour pouvoir mener toutes ces activités qui sont en train de mener aujourd'hui sur le terrain. With the government authorities in place, how can a company enter a village without serious check?